cœur. Souviens-toi de Dieu dans la joie. Hey, hey, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le Seigneur de gloire, restauration de la parole. Alléluia, que ton nom soit béni et sois exalté. Nous tenons nos Bibles, nous disons Père Céleste. Nous croyons que la Bible est ta parole. Nous croyons que la Bible est ta parole. Je suis venu ici pour écouter ta parole. Seigneur, ouvre mon entendement. Que je comprenne ta parole. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Je vais être affranchi aujourd'hui par ta parole. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni tellement, tellement dans la joie maintenant. Tellement dans la joie, c'est le temps de la paix maintenant. Je vois les prophètes étonnants de Dieu. La trêve finie, hein, la trêve finie maintenant. Frère, le temps de la paix est là cette année. Les francs-maçons sont brisés. Alléluia. Les francs-maçons sont brisés au nom de Jésus. Omarana, connaissez la joie maintenant. Connaissez la joie maintenant, Omarakashikamandakaya. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Entrez seulement dans la joie maintenant. Entre dans la joie. Autorité des morts est finie. L'autorité de la mort sur ta vie, je l'ai brisée au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth qui est la clé de la mort et de la mort. Et à son nom, je ferme les genoux de mort pour toi. Tu ne mourras pas. Tu raconteras la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. La gloire de l'Éternel. Oh, tu verras de longs jours, il te rassasiera de longs jours. Alléluia, Sylvie est sauvée. Sylvie est sauvée, l'état est de Jésus-Christ. L'état est de Jésus-Christ. C'est arrivé la paix. La paix est arrivée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va commencer la parole. Le Seigneur est vivant, amen. Le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Une louange comme celle-là, ça donne une joie extrême. Cette joie-là, il faut la garder. Amen. Restez avec cette joie à la maison, gardez-la. Amen. C'est une chanson que nous connaissons, mais regarde comment l'Esprit conduit dans d'autres dimensions. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore pour ta parole. Oh Dieu, qu'elle soit révélée selon toi. Pour que moi et mes frères et mes sœurs, soient ici ou ailleurs, soient édifiés par ta parole, car nous croyons que ta parole est la vie. Nous te disons merci, que ton nom soit béni et sois exalté. Amen. Alors, on a fini avec Pâques. Je vous supplie, retournez sur le site et écoutez le message. Amen. On est dans une série longue pour que les enfants de Dieu sachent comment l'impossibilité revient. Possible. On les a fait arrêter à Pâques, qui était nécessaire. On a donné un enseignement profond sur les trois niveaux de la Pâques. Et aujourd'hui, nous revenons sur ce que nous avons commencé à enseigner. Je me rappelle qu'avant Pâques, on a terminé ce qu'on appelait les conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité. Les affaires de Dieu sont comme les affaires. La chose qui les donne à son jeu, je ne peux pas regarder. Amen. C'est la parole qui va vous donner la solution. Tout vient de la parole. C'est pas nous venons ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. On a vu la première condition qui transformait l'impossibilité à la possibilité, c'était la foi. On a passé presque 7 ou 8 dimanches dessus. Un enfant studieux et qui veut apprendre, qui ne veut pas être un chrétien ignorant ou un chrétien de dimanche, va retourner sur les sites. Ne vous éparpillez pas sur les sites, c'est l'internet à gauche et à droite. Ne vous éparpillez pas. Commencez par les sites de la maison de prière, maîtrisez ce qu'on vous enseigne et ayez comme surguette les petites choses que vous allez voir ailleurs. Alléluia. Amen. Et puis quand vous avez maîtrisé ces choses, vous allez voir que ça va donner beaucoup de résultats dans la vie. Comme ce que nous avons fait ici. C'est une technique par le Saint-Esprit d'un cœur métier à venir trouver la gloire de Dieu. Vous ne croyez pas qu'on chante comme ça là? Amen. Amen. À la fin de la prière, tout le monde est guéri du cœur ici là. Amen. Vous voyez un peu? Amen.
Allez sur le site, lisez. Et on a vu les deuxième condition. Ne vous éparpillez pas. Amen. Moi, quand j'étais né de nouveau, j'ai suivi deux prédicateurs presque toute ma vie. J'ai suivi John Hagee et puis un toi au moins. John Hagee et Tilly Jakes avec Charles Stanley. C'est toi que je suis. Au début, je n'ai trouvé pas qui me donnait la nourriture ici. Là. Je ne voyais pas des enseignants ici. Je voyais des gens qui prêchaient un message ce dimanche, un message ce dimanche. Il n'y avait pas moyen d'entrer la parole. Et puis, j'ai passé le temps à beaucoup lire des livres de vrais chrétiens qui ont été éprouvés. Ceux qui ont écrit des livres au-delà de 60 ans, je ne sais pas, ceux qui ont écrit il y a 20 ans, il écrit un livre, il n'a pas pour l'expérience de la vie. Alléluia. C'est pourquoi, c'est pour grandir dans le Seigneur. La connaissance de Christ ne vient pas où la foi ne vient pas comme ça. Là. Alléluia. La même chose que nous avons vue et que les conditions transformantes, nous avons vu la confession de la parole de Dieu. J'ai aimé cet enseignement. Celle-là, elle est pratique. Comment mettre la parole de Dieu dans ta bouche devant les circonstances. Amen. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Je répète encore, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Alors, c'est par là qu'on avait terminé la foi basée sur la confusion de la parole de Dieu. Je ne veux pas revenir, l'enseignement est tellement complet. Alléluia. Amen. Amen. Est tellement complet. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième possibilité qui transforme l'impossibilité à la possibilité. C'est une condition sine qua non. Cette condition, tu ne l'as pas dans tout ce qui est vie chrétienne. Tu n'auras pas de succès. Tu n'auras pas de réponse. Aujourd'hui, les gens croient que la chrétienté ressemble à McDonald's. Quand tu vas à McDonald's, est-ce que beaucoup de mamans ne cuisinent plus pour aller manger dans ces choses? On appelle ça quoi? Fast food. Je vous dis qu'il n'y a pas de fast food dans les choses de Dieu. Sauf quand il ne veut que ça s'appelle le miracle. Mais ta vie ne peut pas être. Les miracles de Dieu, est-ce que les miracles de Dieu arrivent tout le temps? Les miracles de Dieu n'arrivent pas tout le temps, mais les réponses de Dieu arrivent tout le temps. Alléluia. Amen. Les réponses arrivent tout le temps. Ça dépend de ta foi. Et dépend des confusions de la parole de Dieu. Elle va dépendre de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Si vous vous déjà enseigné presque 11 heures sur les 7 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent avoir des épreuves. Les mots capitales dans cet enseignement étaient comme la persévérance. Amen. Il y a certaines impossibilités qui demandent que tu puisses persévérer. Qu'est-ce que je dis? Il y a certaines. Non. La plupart des impossibilités exigent que tu puisses persévérer. Persévérer dans l'autre sens rappelle un peu à une certaine résistance, à une certaine endurance. Que tu frappes un peu. Alléluia. Vous savez que beaucoup de chrétiens s'imaginent, vous allez entendre aujourd'hui, il croit que le diable est mort. Hein? Il dit que le diable, oh, vous voyez le diable partout. Mais le diable est partout. Sauf pour ceux qui ne voient pas. Le diable est encore le Dieu de ce monde. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. S'il est le Dieu de ce monde, ça dit que son rôle, il continue à le jouer tous les jours. Son rôle, il est. En fait, le parti politique est parti au pouvoir, et puis il y a ce qu'on appelle l'opposition. Il continue à faire de l'opposition. Et c'est un vrai opposant. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'opposition peut faire dans un parti politique? L'opposition, c'est de faire en sorte qu'une loi ne passe pas, quelque chose ne passe pas, que le plan que la majorité ait ne puisse pas s'accomplir.